I'm very interested in, I love your work. I'm just so glad that you brought something new to the table and something that I think is well-founded, right, by your research. And there's, let's put it this way. I mean, I think the stone tablets are, you know, they're not, this is from a civilization that was probably also not at its peak, maybe, you know, but there's something amazing about a civilization that builds in stones and writes in stones. And it's not like these buildings that are in 200 or 300 years, they're gone. This is, so can you even talk about that, what that means in terms of a perception of, in time of this Anunnaki society, how they approach knowledge? Donc pour être sûr, il aimerait que je parle. Il faut que tu mettes en perspective le fait que ce sont des civilisations. Travailler sur les tablettes sumériennes me permet de... travailler sur les tablettes sumériennes me permet de d'en savoir un peu plus sur notre passé. Work on ancient tablet clays from Sumerian culture allow me to investigate in our past. Grâce à ces traductions que je réalise tous les jours, on comprend que les Anunnaki, les dieux sumériens, sont arrivés un jour sur Terre lors d'une guerre galactique. Thanks to this translation, I discovered that the Anunnaki gods fell on Earth then after a war in the sky or in space. Les tablettes expliquent très clairement que les Anunnas sont restés bloqués sur Terre dans l'impossibilité de rentrer chez eux, et une des tablettes explique distinctement l'idée de ne pas pouvoir revenir dans le temps. Qui fait the closure of the, they're not allowed to leave, right? Who made the closure? Qui a fait cet enfermement? Ah ok, on ne sait pas, c'est pas indiqué. Non, ouais. Je vais traduire dans ce cas la réponse. Clay tablets don't explain who closed the sky door or the way for the Anunnaki gods to go back in time or in space. It's not specified, but once they fell on Earth, they weren't able to go back where they come from, as if they felt trapped. Right. And so, this is getting ahead of myself, but do you... You've, in the solar system, we still see evidence of this war. No, don't you agree? Si on trouve des traces de cette guerre dans notre système solaire. Oui. For example. Ok. Je pense qu'on peut trouver des traces de ces conflits dans le système solaire. Dans le sens où, par exemple, on trouve énormément de cratères sur la Lune. We can see evidence of this ancient fighting solar system by watching out the imprints on the moon. Et on trouve également une trace de vie, la NASA le confirme chaque jour, sur Mars. Seeds of life are present on Mars, so it's a good example. Apparemment sur Mars, Mars à une certaine époque, c'était strictement comme la Terre, quoi. On pouvait même, sans doute même, respirer sur Mars. Mars was, so to say, a twin of planet Earth. Et d'après mes recherches, d'après ce que j'ai compris, les Anunnas se sont aussi installés à une époque sur Mars. As my researchers revealed, the Anunnas used to live on Mars as well. Ils ont installé des bases, mais également des bases souterraines. They had bases and especially subterranean bases. Des bases qui, à mon sens, aujourd'hui devraient encore exister. These bases are still present on Mars today. Donc voilà un enjeu intéressant, par exemple, pour de futurs
missions spatiales provenant de la Terre, bien entendu. That's why spatial missions are important. Right. It was interesting because I remote view, and I was just given some blind targets, and I remote. They gave me Mars to remote view. It's very interesting. But they're coming back. It seems like there's more activity today. And the first time I went to Mars and recently, I didn't know where I was, and then I figured it out. And there was the god Elalu. I felt like, oh, Elalu is here. And then it wasn't, but there's Semblance. And do you have any knowledge of Elalu being there? Elalu. So just for the people who are going to watch this, why don't we just start back and like, who are the Anunnaki and what do they mean to us, to humanity in general? Peut-être il serait important de revenir sur la définition des Anunnaki. Peut-être est-il intéressant que tu fasses aussi Anunnaki Nungal. Ok. Alors je rappelle que les Anunna et Anunnaki sont les dieux sumériens. The Anunna or Anunnaki are Sumerian gods. On nomme les Anunna ceux qui viennent du ciel et ceux qui vivaient éventuellement même en orbite autour de la Terre. Anunna or Anunnaki means people from the sky or people who come from heaven. Les Anunnaki, avec la particule qui, étaient ceux qui étaient stationnés sur Terre. The Anunnaki with the particle qui means that they were living on Earth. Mm-hmm. Le terme Anunna, on donne à ce mot plusieurs définitions. La plus courante est semence princière. Several definitions exist for the term Anunna, and the most important is semen of the prince. Seeds of the prince. Certains font un raccourci en disant que ce sont les princes du ciel, d'Anne, ou du dieu Anne. Some understand by this title that they are the prince of Anne, or the seeds of Anne. Donc les Anunna, en arrivant sur Terre, se sont installés avec l'impossibilité de repartir. J'insiste sur ce détail. When they felt on Earth, they were unable to go back from to space, and they were trapped on Earth. Ils se sont retrouvés également avec l'obligation de survivre avec les Nungal. They had to cohabit with Nungal. Qui sont en fait les Nungal, les hommes d'Enki, du clan d'Enki. Nungals belongs to Enki's clan. Il faut savoir que les Anunna, eux, quant à eux, étaient dirigés directement par Enlil. Anunna belongs to Enlil clans. Donc il y avait, on le comprend dès le début, deux clans qui faisaient partie donc, de cette race, deux clans spécifiques qui n'étaient pas toujours d'accord entre eux. From the beginning, there were a lot of rivalry between the two clans, the Anunna and the Nungal. They were opposed. Et j'insiste sur cette idée que les Nungal sont, on traduit ce mot généralement par les grands princes. Nungal means most part of the time the high princes. Et ce sont pour moi très clairement les anges déchus. They are the fallen angels from the biblical text. Puisqu'on sait que les Nungal sont ceux qui vont transmettre à l'humanité certains secrets. The Nungal deliver to humanity and mankind many secrets. Comme l'a fait de son côté avant eux Enki, qui a transmis, comme je l'explique assez souvent dans mes conférences et particulièrement dans mon livre Eden, la connaissance donc de l'outillage. Just as their chief Enki, the Nungal offer to mankind knowledge just like tools. And there is an ambivalence between the tool and the weapons. That's why what Anton Parks explained in several essays. Okay. So, if they're the fallen angels in the Bible, then who is Jehovah? Who's the God? Okay. Alors, ce qui est intéressant en travaillant sur les textes sumériens, c'est qu'on se rend compte que certaines activités ou décisions
des grands dieux comme Enki et Enlil se retrouvent parfois dans la Bible sous le nom de Yahvé. What's interesting in biblical researchers is that in Mesopotamian texts, decisions made by Enki or Enlil are corroborated by the God of the Bible. In fact, it's the same. It's the same decision that attributed to the God of the Bible and in Mesopotamian texts to Enlil or Enki. So in fact, there is no divine hierarchy. There's only the fallen angels. Est-ce que tu voudrais bien détailler la hiérarchie divine pour pas qu'il y ait de confusion? Alors, la hiérarchie divine des dieux est ainsi faite. Quand les dieux arrivent sur Terre, il y a le dieu principal, An, au-dessus de tout le monde. The divine hierarchy is built this way. At the top of the hierarchy, there is An, the chief god. Ensuite, Enki et Enlil. Then Enki and Enlil. Il faut savoir que quand ils débarquent sur Terre, Enlil est avec une femme qui s'appelle Ninti, Ninkarsai, Ninma. C'est le même personnage. C'est Enki qui est avec Ninma. Non, c'est Enlil. D'accord. When they came on Earth, Enlil is with a priestess, which is named Ninti or Ninma. Et elle est regardée dans les textes comme une déesse mère très importante qui a beaucoup de pouvoir, une déesse serpent, c'est ce qui est précisé dans les textes. According to literatures, it's a snake or serpent goddess and she's quite powerful. Et ensuite se retrouvent les dieux donc, dont on a parlé, donc les dieux Anunnaki et les Nungal. And then, who belong to Enki, there is Nungal, and who belong to Enlil, there is Anuna. Alors la grande différence entre les Anunnaki et les Nungal, c'est que les Anunnaki, eux, détiennent tous les pouvoirs royaux. Whereas the Anuna, the Nungal, hold the royal powers. Les Anuna. So, whereas the Nungal, the Anuna, own the royal powers. Ok. Et quant aux Nungal, eux, ils vont donc s'approcher du genre humain, l'aider et leur apprendre certains mystères qui n'appartiennent qu'aux dieux. Nungal are initiators of mankind. They deliver secrets to mankind and they deliver the secret of the gods to humans. Et comme l'explique la Bible et certains textes extra-bibliques, ils vont aussi se mélanger avec les humains. Just as the Bible explains, as the Nungal mixed with the so-called son of the man, so the woman, they mingled with women and they have children with them, just as the Bible explains. They say the Nephilim, is that so that's the same thing as the... The Nungal are the Nephilim, yes, but not the Anuna. So, but the Nungal is Enki's race. Yeah. But I thought you said that Enlil was a clone of Enki. Yes. So how does that then? How come he's from the royal families? If he's actual clone, because I thought they had different mothers. But explain that maybe. Alors, ce qui est important de savoir, en fait, le personnage d'Enlil est vraiment très particulier. What is interesting about Enlil is a very complex and interesting character. C'est que j'ai trouvé des textes qui expliquent très clairement qu'il serait en fait le fils d'Enki. Text explains that he is the son of Enki. Donc une création d'Enki. Et il serait à l'origine un Nungal. He is Enki's creation and basically a Nungal, but... Il fait partie d'une session de clonage qui a été avortée, qui s'est mal passée. He belongs to a clonage session that went wrong. Mais Enki a décidé de le garder en vie, de ne pas le tuer. But Enki spared him. Et ainsi, tout ça se trouve avant leur arrivée, bien sûr, sur Terre. All that belong before the arrival of these people on Earth. But it shows that he was a clone in that. And
just oh, I need to clarify something. In fact, Hankies is a clone from Han too, and so from and Lil is also a clone from Enki. So okay. Such a way you can see all the dynasties. Right. That's why. And so let's go back to describe the what they look like, and then if they're all cloned, is it just they all look exactly the same, is there any differentiation from the lower classes or the workers? How do they look different? Okay. If you could. Okay. Alors, il y a une grande différence entre les Anunnaki et les Nungal, qui me semble assez claire dans les textes. There is a huge difference between Anunnaki and Nungal that is shown in the text. Les Nungal sont de forme reptilienne, avec la peau apparemment plutôt verte. Nungal. Non, les Anunna, pas. Anunna, yeah. Anunna are more reptilian shaped and their skin is green. Je redis la phrase. Les Anunnaki sont apparemment plutôt donc de type reptilien avec une peau verte. Et les Nungal sont au contraire plutôt de peau blanche, de type aussi reptilien. Whereas Anunna, Nungal are more white-skinned, even if they are reptilian-shaped, they are white-skinned and fair-haired. Il faut savoir que les Nungal, donc des Enki, ont été créés avec des gènes Kingu. In fact, the Nungal were made with a mix of Kingu genes. Et les Kingu sont des ennemis des grands dieux Ushungal, dont fait partie An. In fact, the Kingu belongs to strong's enemy who are against the hegemony of la caste d'An, c'est les Ushungal. They are Kingu are enemies of the Ushungal. The Ushungal are the group that form with An and all his brothers. So you have the Anu and then Nungal and then the Kingu. In fact, yes. Kingu are at the top of the hierarchy. They are even before Han. In fact, it's the royal who control absolutely every aspect of the reptilian family. So is An a part of the royal family? No, he belongs. He belongs, but in the lower parts. So right. To say, he's the inferior in the royal caste. Wow, that's interesting. So, but the top reptilian gods, they weren't close, locked in on this solar system? Non, les Kingu ne se sont pas retrouvés enfermés dans le système solaire. C'est une question. Non. Les Kingu étaient déjà dans le système solaire quand les Anunna sont arrivés. Kingu were already present in solar system when the Anunna fell on Earth and they didn't been locked here. No. So Anu and his clan came, and do you know why they came here? No. Oui, ils arrivent à cause d'une guerre galactique contre, entre autres, les Kingu. Est-ce qu'en particulier tu peux... Non. Comment? Tu peux spécifier, il n'y a pas une raison particulière, en fait. C'est un accident, peut-être, expliqué. Non, c'est pas un accident, c'est qu'ils... La guerre qui oblige les Anunna à s'installer sur Terre, à s'échouer sur Terre, elle est due au fait que les Anunna, entre autres, se sont rebellés contre Tiamat. C'est bien expliqué comme ça. In fact, why the Anunna fell on Earth is because they rebelled against Tiamat, which is the top of the lower hierarchy of the royalty in the reptilian. And in fact, they were trapped because they were fighting Tiamat, which is, so to say, the complice of the Kingu, who tracked with the Kingu. Oui, elle a. So they tried to rebuild. D'assez bons rapports avec eux. In fact, An tried to rebuild against the Kingu, so ouais. To say. Okay. And so, do you think it was the Kingu who locked them in the solar system? No. Il y a encore d'autres races. Ils font partie. Hein. Les Kingu font partie de cette race. Contre qui se battaient les Anunna et qui ont obligé effectivement les Anunna à s'échouer.
ils peuvent faire partie des gens qui ont bloqué les portes, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres races extraterrestres qui ont bloqué les portes. If Kingu have interest in locking Anuna and clan, Anne's clan in the solar system, other clan and species of extraterrestrial beings have interest in locking these people inside the solar system. Okay, but the Kingu were too powerful to be locked in, or why? How is it that the Kingu weren't locked in? Then if pourquoi est-ce que les Kingu ne se sont pas retrouvés enfermés dans le système solaire? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient très puissants? Oui, les Kingu étaient très puissants et ils n'ont pas ce problème d'être bloqués dans le système solaire, contrairement aux Anunna. Kingu are really powerful and they are not locked in the solar system as the same as the Anunna. And so, have you read much or translated much about the Kingu? Because like when I read that book, what was it called? The Secret of the Dark Stars. The Secret of the Dark Stars. I felt like I was reading in a hallucination. You know, but it was like presque vrai, in I didn't know where it was coming from, because I felt like it was like a story and it wasn't a story. You know, and even the part where they go to a moon and underneath the moon there's all these the golden armament and yes. of these soldiers. It was very powerful somehow. It resonated in me. Yes. And I don't know why. I don't know why it's. Okay. All right. What do you want to know? Well, how did you learn about the Kingu? Is it just in the tablets? And how much did they explain? Because. Quelle différence en fait si tu en as plus entendu parler dans tes visions? Plus dans mes visions. Oui. Oui, peu de textes en fait parlent des Kingu, c'est essentiellement la grande mythologie babylonienne qui en parle, le mythe de la création. Few texts in Mesopotamian literature refers to Kingu and most of reference come from Babylonian literature. Le grand mythe de la création. From the great mythological creation or cosmogony. Voilà. Sinon, le reste vient effectivement des informations que j'ai pu recevoir. Most part of my knowledge about Kingus is related to my vision. Right, because it's you know, when you talk about Tiamat, I think about how Zeus had to go, and didn't he kill Tiamat, who was his mother, and his father? He, I guess, was back then was called Cronos. Absolutely. En fait, il fait le parallèle mythologique entre ce qui existe dans le monde gréco-hélène. Oui. Voilà, okay. Tu vois à quoi je réfère. Peut-être mettre en évidence l'universalité de l'archétype. L'universalité, pardon, de l'archétype mythologique pour montrer que c'est très ancien. De Tiamat? Ouais, que cet épisode a marqué toutes les mythologies du monde parce que ça se retrouve partout. Oui, effectivement, on retrouve cette idée des dieux dans la mythologie grecque, des dieux qui vont se rebeller contre leur propre mère, comme on la retrouve chez les Sumériens. En fait, c'est exactement la même histoire, finalement. Just as the Sumerian god An tried to slay Tiamat, the High Mother goddess, there are other examples of mythologies, just like Zeus trying to slay Ouroboros, his father, and that's why it's a really ancient myth. It's universal, also to say. Okay, so could you just, you know, like if we take, you know, we talked about Neptune and Enki being the same, and Enki being Osiris, right? Yes. Yeah, and then in the Indian pantheon, would it be Shiva? Would that be Enki, or because he has a trident? But I don't know if he's the same. If there's a one-to-one correspondence. Je suis pas trop intéressé. Ce n'est pas qu'une correspondance sinon iconographique. C'est vraiment une correspondance au niveau du mythe. Clairement, au niveau, en fait, du peu que j'en avais travaillé. Non, mais dis que j'ai pas travaillé là-dessus. It didn't work on this specific correspondence because it didn't investigate that much the extreme occidental parts. And then what, like, if you look at Odin, in the north, you know, he's like the god who hangs upside down. He's. Oui, on peut.
effectivement, on peut trouver des rapports entre l'histoire d'Enki avec Odin, c'est évident, oui, bien sûr. Enki ou même aux Russes, puisque finalement, l'arme que va porter Enki, c'est Horus qui va ensuite la porter, et il s'agit donc d'une puissante épée dans laquelle se trouve une connaissance sur l'origine des dieux. Ok. C'est l'épée de qui? L'épée d'Enki et que ça oui, mais que, dans la mythologie. Que va Ben non, là c'est un marteau, mais... Ok, je fais le parallèle avec Mjolnir. Oui. Ok. There are parallels with Mesopotamian mythology and Nordic mythology as such that Enki can be compared to Odin or maybe his son Marduk or maybe Horus in Egyptian pantheon. And so to say, the Enki had a sword that had been transmitted, and so Odin has an instrument, his hammer, the Mjolnir, that had been transmitted to. Okay, and then, but Thor would be Marduk, or who would be Enlil, and then or would he not be in the north? Oh, he can be compared to Loki, maybe. Qui serait Enlil dans la mythologie nordique? Or Marduk could be Marduk is the same as Horus and is the same as Thor, in fact. As what? Tu dirais que Horus c'est Thor. Oui, c'est ça. Horus c'est Thor. Horus is Thor. Okay. Yes. Okay. So let's go back to so the way you describe Genesis, and maybe you could describe it because I don't think we've talked about it, but it puts it in a whole different light, because you know the Sitchin version is that they come down here just to kind of use the resources and then they make us as slaves, and then but the way you show it is the gods are in a fragile position because they're stuck here, they have to make it work, right? And then they make, you know, they take the humanoid forms that are here, and then to help them grow, otherwise they can't survive, and then they get sick because of the contact with them. Talk about that, because I think it's a much more interesting story in a way. Let's start with that. Il veut que je parle de ça. Oui, tu as compris. Ok, super. Alors, il y a plusieurs épisodes vraiment intéressants dans la mythologie sumérienne et des tablettes de Karsag que j'ai traduites pour le livre Eden. There are several interesting facts about the Karsag clay tablets that have been translated for my essay Eden. À savoir, par exemple, l'idée que lorsque les dieux Anuna et Nungal arrivent sur Terre, ils s'installent sur une montagne et ils créent leur propre jardin qui s'appelle Eden. For example, when the Anuna arrived on Earth, they built a colony in a mountain that is named Eden. Et ensuite, très rapidement, ils vont créer leurs propres habitations pour survivre et leur verger, leurs différents jardins qui sont apparemment connectés sur le Tigre et l'Euphrate. They must build their communities, their buildings, and even a garden. And this garden is irrigated by a complex that takes its source from the Tigris and the Euphrates. Donc déjà, on retrouve donc les deux grands fleuves bibliques et le nom Eden. Donc déjà, c'est très intéressant. It's interesting to mark that we have the garden named Eden and the two biblical streams. Et il arrive un épisode qui ne se retrouve lui par contre pas du tout dans la Bible, à savoir que en partie, à savoir que le genre humain va entrer dans le jardin pour voler les fruits des dieux. There is a story that is it's not like this in the Bible. It's when the mankind enters the garden to steal fruits in the garden of the gods. Mais qu'ils vont de ce fait les humains contaminer le jardin. As a consequence, mankind contaminates the garden of the gods. Et du coup contaminer aussi les dieux qui vont se retrouver malades. As a consequence, gods fell ill. Donc les dieux décident de brûler une partie du jardin d'Éden. As a consequence, part of the garden is burned.
de créer de plus en plus de structures autour du jardin et des murs pour plus que le genre humain puisse passer. They put wall around the garden to prevent mankind to enter the garden again. Et Enki a pour mission donc de soigner la colonie qui est malade. Et lui, par contre, a la chance de ne pas l'être, ou très peu, grâce au gène de sa mère Namu, qui a longuement travaillé sur le genre humain et qui est immunisé. Qui est immunisé, exactement, oui. Enki is the chief healer of the colony and as such he is quite immunized from the disease of man because his own mother, Namu, have been working close to mankind, so she transmitted to Enki the immunization against the disease of human. Alors, autre point très intéressant de ces textes, c'est que à partir du moment où Enki va soigner les humains, les Anunna vont lui donner pour mission de parler aux humains justement pour qu'ils ne reviennent plus. Donc ça sera Enki va devenir le seul intermédiaire entre les dieux et les humains. Enki is the exclusive intermediary between mankind and the gods community because he is immunized against the disease and it's his duties to prevent mankind to enter the garden again. Plusieurs passages sumériens le nomment très clairement avec le mot mush qui veut dire serpent. Donc voilà, Enki est le serpent. Il a une physionomie de serpent comme les autres dieux, mais comme il est le seul à être vraiment en contact avec les dieux, avec les hommes, pardon. Donc en fait, dans l'idée des hommes, Enki représente un serpent qui sort du jardin, qui garde le jardin et qui leur parle. Enki is a snake-headed god and is the only exclusive interlocutor with mankind. So they picture themselves as a huge snake that sneak from the garden to speak to them. And tu avais dit quelque chose de très intéressant au début. Enki is really the biblical snake because he's regularly referred in Mesopotamian clay texts as Mush. This name means snake. The serpent, yes. The serpent, the snake. And it's exactly the same sentence you found about Enki in Mesopotamian texts and in the Bible, the same. Yes. Et autre point stupéfiant de ces tablettes, c'est que Enki va entretenir des rapports chaleureux avec les humains. Enki is a good friend of mankind. Et on apprend petit à petit dans les textes qu'en fait Enki va leur apprendre donc aux humains la connaissance des dieux. Mesopotamian clay text reveals that Enki teach mankind God's secrets. À savoir la connaissance de l'outil. The most important is the knowledge of the tool. Et il faut savoir qu'en sumérien, le mot outil et arbre se disent avec le même mot, à savoir gnish. In Mesopotamian literature, the term gnish means both a tool or a tree, and that's why there is a play on words, so to say, it's exactly the same you can find on the Bible. And that's the true secret of the gods. So, just let's step back as we didn't cover it. So the gods came here, they were in a fragile situation, and they actually needed to create a mankind, a helper, yes, to survive. Can you, yes, it's not like, can you describe it like okay. that? Okay. Okay. Alors une fois arrivés sur Terre et avoir réglé ce problème du jardin, les dieux vont avoir besoin d'une main d'œuvre. When they fell on earth, the gods need workers. Et ils vont missionner, donc les dieux vont missionner Enki pour qu'il fabrique des esclaves. Gods forced Enki to create slaves, so he creates mankind.
ce qui est intéressant et qu'on peut noter aujourd'hui, c'est cette obstination du genre humain à vouloir voyager dans l'espace. What is really interesting today is this obstination from mankind to travel to space. Avec tous les mystères qui vont avec, puisqu'on se doute bien que la NASA ne nous dit pas tout. With all the mysteries that surround that subject, because we can guess that the NASA is protecting some secrets. Mais on comprend bien que cette obstination va dans le sens d'une volonté de quitter le système solaire. All that desire are focused on the purpose to leave the Earth. Le système solaire. The solar system, sorry. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas y arriver. But they can't succeed. Puisque, selon moi, les portes sont toujours bloquées. Because as far as I know, the doors are still shut down. Donc, obstinément, on va chercher à créer la vie sur d'autres planètes. We will try to bring life on other planets. Et encore, en ce qui concerne les différentes missions, rien n'est clair parce que je pense qu'il existe encore de la vie à la fois sur Mars, sur la Lune. Regarding missions, there are a lot of mystery because according to me, there are still living presence and beings on Mars and the Moon. Ça explique aussi pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune depuis très longtemps. That's why we didn't went back to Moon for a long time. Ça explique aussi les échecs qu'il y a eu régulièrement aussi concernant les missions sur Mars. It explains a lot of failure on Mars mission too. Donc je pense que le genre humain, en tout cas les scientifiques qui travaillent sur les projets spatiaux, sont aux abois en fait quelque part. Mankind that work on space mission are on the expectative, so to say. They're on the what? They are not in a comfortable situation. I don't know how to translate it. Okay. Être aux abois, oui. Être aux abois, qu'est-ce que tu voudrais dire par Ils sont. Ils sont dans l'expectative, mais en français, c'est. Ouais, ils sont. Enfin, en tout cas, ils ne trouvent pas de solution. There is no solution at the problem they are facing. Well, can you be more specific? Because like we have the Chinese, they're going to make a moon base. You have, the Artemis moon base, which is supposed to happen in 2 years even. And obviously something happened on the moon, and I don't know if you know who Ingo Swann was. He's a friend of mine. He did remote viewing he developed remote viewing for Stanford. But they sent him to the moon. And he saw ETs there, but they're not friendly, you know. He had to leave immediately, and so they know this was in the early 70s, you know. So they've known about this for a long time, but now they're going again. The Chinese just landed, and so what's going on? Something changed. Je pense que la conquête spatiale d'un pays à l'autre comment expliquer ça? La conquête spatiale d'un pays à l'autre ne part pas sur les mêmes bases en fait. Spatial conquest depends on specific bases from each nation to another. Je pense par exemple que les Chinois sont peut-être en contact avec des races extraterrestres qui vivent sur la Lune. Chinese government is probably in contact with intelligent beings that are currently living on the moon. En tout cas, sont en bon terme avec ces gens-là, contrairement aux USA. They are in good terms with them, contrary to the United States government. Ce qui explique que, voilà, on ne saura pas tout véritablement, même si certains mystères deviennent de plus en plus précis et on a de plus en plus de réponses, mais je pense qu'il y a une volonté d'une grande nation à une autre de pouvoir justement pouvoir échapper à ce piège dans lequel nous, êtres humains et certains dieux,
nous sommes bloqués dedans, quoi, pour l'éternité, si on ne trouve pas de solution. Each nation is trying as hard as it can to find a solution to escape this trap that we are under the solar system. And each nation is subrogated to specific clans, so that's why they try to reach different solutions. But the ETs that are there now are the children of the old Anunnaki, no? Or are they different ex-ET race? Ceux qui sont sur la Lune, par exemple. Penses-tu que ce sont qu'il s'agit? You are asking concerning each specific government or no, on the moon, just on the moon. On the moon, dans la Lune, penses-tu qu'il s'agit d'engins extraterrestres Anunnaki? Non. Enfin, je ne pense pas que ce soit des Anunnaki qui soient spécifiquement sur la Lune. Je pense que ce sont plutôt des Kingu. I don't think it's Anunnaki on the moon. I think it's more specifically Kingu. Et je sais qu'il y avait aussi des bases Urma sur la Lune. Il faut savoir que les Urma sont les guerriers des clans qui étaient donc en guerre contre les Anunnaki. There were bases of the Aurma clan in the moon, and it used to be adversaries of the Kingu's clan.